Salut Fred Alter, aujourd'hui, Screenlike Arnold, l'épisode 3. Après les pectoraux et le dos, les bras, on va passer aux jambes. Donc quadriceps, ischio et mollets. On va s'entraîner comme Arnold le faisait. Fred Alter, donc aujourd'hui la séance jambes, façon Arnold. Donc Arnold commençait par le squat, où là on va être sur 10-12 répétitions, donc là on va être à 100. Pour Emmanuel, hein. Donc là, pour rendre hommage à Arnold, on a décidé de s'entraîner pieds nus, comme il le faisait, pour la stabilité apparemment. Voilà. Donc on peut constater quand même les progrès d'Emmanuel au niveau du squat. Je tiens à le dire parce qu'il s'entraîne dur hein, pour les jambes. Donc pensez toujours à inspirer quand vous descendez et à souffler quand vous remontez. Voilà. Donc quand vous faites le squat, pensez toujours aussi à privilégier l'amplitude pour vraiment aussi aller chercher le développement des fessiers, comme celui des cuisses. Parce qu'il y a plein d'adhérents qui font du demi-squat et c'est beaucoup moins intéressant en fait. Voilà. Emmanuel est quand même à 100 kg et il descend très bien. Donc si vous êtes un peu moins fort, prenez moins lourd et descendez aussi bas que lui. Hein. Il vaut mieux privilégier l'amplitude que la charge. Voilà. Voilà, 12 répétitions, on va passer à l'exercice suivant. Et là on va être sur de la presse. Donc voilà, je suis à 200 kg. Donc là pareil, une dizaine de répétitions. Voilà. 4 séries à chaque fois. Pensez à bien respirer, je crois que vous m'entendez bien respirer. Et appréciez mes belles jambes. Non, je rigole. Donc exercice suivant, leg extension, toujours pieds nus bien sûr. Hein. Donc là à 65 kg. Donc le leg extension isole bien le quadriceps. Donc pensez à contrôler la descente et à contracter lorsque vous êtes à l'extension maximale. Pensez toujours à inspirer quand vous descendez et à souffler quand vous montez les jambes. Ok, donc exercice suivant, exercice d'isolation pour les ischios jambiers, le leg curl. Voilà, contrôlez bien la descente, c'est important. Quatre séries par exercice, on le rappelle. Exactement. Voilà, soufflez bien, contrôlez bien. Le but est de bien sentir le travail sous les ischios jambiers là. Voilà, donc exercice suivant. Les fentes. Donc là, on sera plus sur les quadriceps. On sera plus sur les quadriceps et les fessiers. Plus on va écarter les jambes, plus on va être sur les fessiers. Plus on va rapprocher les jambes, plus on va être sur les quads. Voilà. Donc on peut faire confiance à Emmanuel parce qu'il fait des études dans le domaine. Donc pensez toujours à inspirer quand vous descendez, à souffler quand vous montez, à garder le dos droit, c'est important. Voilà. Pensez aussi à contracter les abdos pour protéger le dos. Change de jambe. Donc là ça paraît anodin les 40 kg mais pour des fentes, c'est déjà ça. Surtout après avoir fait 4 séries à 100 kg, je précise. Allez, allez, allez. 4 séries de squat. Allez, squat. Allez. Alors on rappelle, ne négligez pas les jambes. Hein. Beaucoup d'adhérents négligent les jambes. Saute la séance de jambes. Venez à l'entraînement lorsque vous faites les jambes. Hein. Ok, donc exercice suivant. On passe au mollet. Donc Arnold a apporté beaucoup d'importance au mollet. Donc là, il y aura 3 exercices mollet dans sa séance jambes. Voilà, c'est beaucoup. Donc là, au niveau de la planification des séances, Arnold faisait des mollets tous les soirs. Donc il considérait que ses mollets c'était un point faible, donc il les travaillait tous les soirs. Il a eu les résultats. Hein. Exactement.
Donc là, deuxième exo pour les mollets. Donc là, on va être plus sur la partie basse des mollets, plus sur les soléaires. Voilà. Là, on va être assis. Ok, donc dernier exercice pour les mollets. Là, on va isoler chaque mollet, donc à une jambe. Voilà. On va passer à l'autre mollet. Alors, si vous voulez quelques questions, n'hésitez pas à poster les commentaires. Hein. Lorsqu'on partage la vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à demander quelques petits conseils. Si vous en voulez. Ok. Salut les frères d'Alter, à la prochaine. À la prochaine.